Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de mon Let's Play sur Battlefield 4. Donc j'essaierai de vous proposer une fois par semaine, en général le mardi, voilà, mission par mission, campagne par campagne. Du moins, pas campagne par campagne, mission par mission. Si jamais la mission dure un quart d'heure, il y aura un épisode d'un quart d'heure. Si elle dure une demi-heure, ça sera une demi-heure. Mais voilà, je ne ferai pas 2-3 missions dans un épisode. Alors là, le jeu tourne apparemment d'office en ultra. Donc on va laisser ça comme ça. On va voir un petit peu après ce que ça peut donner. Ok, parachute, parachute, sprinter, X pour s'allonger. Ça, ça n'a pas changé. Recharger, grenade, G, attaque de mêlée, F, tout va bien. Ok, donc là, on est pas mal du tout. Eh bien, lançons la campagne. On va se mettre en normal. Alors pour tous ceux qui se demanderaient, hein, les défis reviendront sur Battlefield comme j'avais fait un petit peu sur Battlefield 3. Mais je vais me laisser un petit peu plus de temps pour connaître encore un petit peu mieux le jeu. Vraiment me familiariser avec pas mal d'armes. En avoir débloqué aussi à max. Hein, parce qu'il faut, si vous me proposez de faire avec un fusil de snipe, il faut que je l'aie, sinon ça ne servira pas à grand chose. Après je mettrai mon lien vers mon battle log de façon à ce que la personne qui veut me proposer un défi puisse voir si je peux le réaliser ou pas. Ça me paraît très important, mais je ferai une petite vidéo annonce. Je pense que ça sera pour le mois de décembre. Ça laisse encore une semaine. Alors, cinématique ou pas? Auquel cas je me tais. Cinématique, donc je me tais. Riker, tu m'entends? C'est pas fini, reste avec moi. Bien joué, Riker. J'ai jamais vu quelqu'un conduire aussi bien. Jusqu'à la fin. Allume, Pike. Merde. Siège, ne bouge pas. Vous êtes coincé, sergent. Irish, la pire chose à faire dans cette situation, c'est de paniquer. C'est exactement le genre de phrase qui me fait paniquer. Pas quatre points, j'ai siège. On s'enfonce toujours. Merde. On va vous tirer de là, Don. C'est compris? Comment? Porte coincée. Merde. C'était pas censé finir comme ça. Riker, prends mon arme. C'est quoi ces conneries, Don? C'est quoi ces conneries? Pour survivre, un loup est prêt à se bouffer une pinte. Tire! Négatif, fais pas ça! Vite, Riker, tire dans la vitre! C'est un ordre! Putain, fais pas ça, Riker! Foutez le camp! Barrez-vous! Barrez-vous! N'importe quoi, mec! Oh yeah! Sans aucune hésitation. Donc oui, les défis reviendront sur Battlefield 4, mais voilà, je l'annoncerai, il faudra juste un petit peu de temps pour que ça revienne en place. Alors déjà, voyons voir un petit peu. Honnêtement, le jeu tourne vraiment, vraiment très bien en ultra, en solo. Et ouais, graphiquement, c'est juste une grande claque quand même. Allez-moi les mouvements de l'eau. La lumière, ouais, non, c'est vraiment, vraiment super, super beau. Bon, voyons voir. Plus votre score est élevé, plus vous aurez de récompenses. Hein, sur des performances, ok. Tâche de mission, bon, ça après, hein. C'est pour débloquer les armes, pour débloquer plein de choses. Bien joué, d'accord. Donc il y a des plaques à récupérer. Ah, ça va être intéressant, il va falloir fouiller un petit peu tout. Faire gaffe à pas se faire repérer. Il y a des ennemis en dessous.
cœur. J'ai failli tirer dessus. Bah, t'énerve pas comme ça, bonhomme. Tu les as semés ? Oh ! Du calme, Pac. T'étais passé où ? Quand le transfert a mal tourné, je suis venu ici. Des Russes, hein ? Des pros, un coup ils sont là, un coup ils sont plus là. Détends-toi, t'as le renseignement ? Enfin, graphiquement, c'est vraiment une grande calotte quand même. Merde, il fait déjà jour. Faut aller au point d'extraction. On sait où est Irish ? Il est pas avec vous ? Je lève le silence radio. Tombstone 3 de Tombstone Leader, votre position ? Tombstone Leader en approche par le nord. Ça chauffe par ici. Je vais me replier, faut me couvrir ! Bien reçu, Irish, on te couvre. Raker, prends ton arme, allez ! Vous me couvrez ! Va à la fenêtre, il faut couvrir Irish ! Munitions dans cette caisse. Quand ils veulent, hein. Prends ce que tu peux et couvre la fenêtre ! Ok, d'accord, donc là je peux changer. J'ai le droit de prendre quoi ? Tout ce que je veux ? Carabine, ouais, mais je vais prendre quand même la UG. Ah non, je l'ai pas de dispo, d'accord. Donc ça sera ce carache, ok. Ok, ça c'est fait. Oh! Là, tire en pleine tête, reviens toi bonhomme. Là, dégage. Vous les voyez? Encore? Lui aussi. Ah non! Voilà. Hop là, ça c'est fait. Ils sont tous crevés! On les a tous eus, c'est bon! Après, j'aime bien le principe de points hein, qui nous donne très certainement des récompenses à la fin en fonction du nombre de points qu'on fait. Voilà, ça donne aussi un petit peu d'importance au fait d'être précis. Tombstone, en avant. Fortress, ici Tombstone, leader. Ça rappelle un petit peu le multi, surtout. On rejoint le point d'extraction. Bien sûr, Tombstone. Hélico en route. Rejoignez la position. Terminé. Bon, là on est 4 maintenant. Pourquoi je peux plus? Ah, je suis bugué. Ah non, ça va. En dessous, dans la... Engagé. Amène l'escouade à attaquer les cibles dans votre champ de vision. Après chaque commande engagée, l'escouade a besoin de temps avant de pouvoir engager de nouveau. Vous pouvez. Voilà, en bas à droite. Ok. Faut pas repérer. On va les buter ensemble. Marquez-les et donnez le signal. Ah, j'ai vu. Ils l'ont pas eu. Si, quand même. Attention, ils sont dans les sacs sur le côté. Hop là, élimination des squads. Tiens, en pleine tête. Tout va bien. Merci, toi, bonhomme. La K12 débloquée pour le. Petite grenade. Au revoir. Ah oui, voilà. Ok, ça c'est bon. La K12, on s'en fout, on l'a déjà. Tout le monde va bien ? Tout le monde va bien. Là voilà notre sortie. Raker. Ok. Ouais, je veux du C4. D'accord, fais-le chanter. Attention, ça va sauter ! Oh yeah! Génial! Allons-y! Ah, un joli trou d'ailleurs. Tombstone Leader. D'accord, on rentre dans la végétation. Regardez-moi comment c'est magnifique. Regardez-moi ça. On tente de vous entendre, Hawkins. On progresse. Faites monter vos gars sur le toit. Ne faites pas attendre.
Ah, tous les oiseaux là, non, c'est juste monstrueux. Tu balais la zone, Wrecker. Voilà le bâtiment. Ok. C'est plutôt moitié de bâtiment. Viseur tactique qui repère automatiquement les ennemis proches du centre. Ouais, les deux cheminées, pile en face, tu vois ça, Wrecker? Ah putain, c'est chiant par contre. Ok. Qu'est-ce que je peux prendre là? Je peux pas prendre un fusil de snipe? Putain. Dommage. Bon. On va garder mon scarache. Parfait. On va peut-être se mettre un peu plus à couvert que ça. Détection blanc indique si les ennemis sont sur le point de détecter votre présence. Ok, d'accord, du classique quoi. Ah, tire en pleine tête. Vas-y, repasse la tête, toi. Là, moins un. Éventuellement. Oh, joli. On m'a touché le salopio là. Je repasse la tête là, par contre je te la mets. Voilà. Là, ça c'est bon ça. Attention, plusieurs signatures thermiques devant nous. Chaud. Ah mais voilà. Arme secondaire MK11. On va prendre ça. Doucement. Putain, je l'ai pas touché lui. Là, c'est fait. Oui. Ah oui, j'allais dire lui si je le touche pas là. Chaud, chaud, chaud. Eh ben dites-moi. Bien vu. Là, c'est bon. Il a peur, lui. Prêt à engager. D'abord. Voilà. C'est parti. Où j'ai où, là? Prêt à engager. C'est quoi, la cible? Ouf, faut que j'aille, hein. Ok, j'attends de connaître les cibles. Pas bien engagé là. Prêt à engager, c'est quoi le cible? Je vais mourir. Je vais pas récupérer un peu de vie, ouais. Tranquille, tranquille. Mais c'est par là, hein. Apparemment. Allez, engage-moi tout ça là. Donc ça sert à rien, on va pas rester là parce que mis à part se faire descendre.
Là. Ok, c'est quoi les cibles? Voilà, joli. Là, dégage toi. Il y en a un là. Oh, j'ai bien failli mourir là. Vite, 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 vite. Mais je suis pas passé loin de la mort là. Là, moins un. Il est où lui? Ok. Voilà. C'est chaud, hein. Ok, c'est quoi les cibles? Ça c'est bon. Là j'enchaîne. Ah lui je l'ai pas eu par contre. Ok, j'attends de connaître les cibles. Là c'est bon. Il en reste un non? Il est pas mort lui je pense. Okay. Voilà, ça c'est fait. L'ennemi est en fuite, maintenez la pression. Le tuyau d'évacuation, c'est notre seule option. On y est presque, restez. Allez, on va prendre un bon M320. Et ici, ça, on change pas une équipe qui gagne. Tout ça. Là, dégage toi. Putain, je l'ai pas tué, oh. Ils sont. Là, c'est bon. Moins un. Là, lui il est mort. Il va falloir qu'il descende après. Hein. Ça c'est bon. Ok. On va refaire. Faut dire que j'arrose là. Eh ben, faut que je prenne mon temps par contre, un peu plus. Hein. Eh bé, j'ai bien cru que je l'aurais pas. Oh. Ça c'est bon. Waouh. Y'a un problème toi? Ah. Je l'ai pas eu? Si. C'est bon. Ils viennent de l'entrée. Rentre-toi. Touché, coulé. Restez concentrés.
concentrer. Avancez vers l'usine. On y va, on y va. Vous venez les gars? You. Et je vous attends hein. Les mecs ils sont encore là-haut. Voilà, ça c'est fait. L'entrée est nettoyée. Désolé d'avoir foiré. T'inquiète, il n'y a pas de problème. Les angles, les mecs. Ouais, ça me rappelle chez moi. Et vous êtes prêts? C'est ça le meilleur moyen de monter? C'est le plus rapide, on n'a pas le temps de chercher autre chose. Attendez de voir la vue de la terrasse. Je m'attends à être soufflé. La ferme, ouvrez l'œil. Et vas-y, on voit. Pas pourquoi je vois pas bon là-haut. Sur le radar, aérien hostile. Oh merde, on prie. Allez, allez. Ouh, comment c'était chaud là. Ouais, vaut mieux. Un hélico pour nous aider là. Tu m'étonnes. Bah c'est plus qu'il est instable, c'est qu'il se casse la gueule là. Allez, reculez. J'ai perdu le contrôle. C'est pas l'avoir de la chatte ça je crois. Ou pas. Dommage. Oh putain. Ça va mec? Pas que des traces de Hawkins et des autres. Il n'y a pas de survivants. Fais sortir Dunn de l'épave. Je peux pas, il est coincé. Essaie. Je suis en train de sortir Raker. Ma jambe. Sa jambe, c'est la vraie vie. Ça va aller Dunn. Ça va aller, on va vous tirer de là. Hack, descend. Ouais, je sais, je sais. Stop. Raker, couvre-moi. Dehors, dehors, sors de là. Allez, dégage. Pourquoi aider? Pourquoi aider? Pourquoi aider? Non, arrête, tu te casses ici. Hé, hey, laissez-moi conduire. Raker, ton couteau. Pourquoi, sergent? Faut couper la jambe. Faire quoi? Raker, viens ici. Allô, pris au piège, ce bout file pas pour survivre. Allez, l'os est en miettes, y'a que la chair et l'uniforme qui me retiennent. Allez, coupe-la. Faut qu'on y aille. Il est mort? Il est pas mort, juste éponyme. C'est toi l'infirmier, bordel, tu devrais savoir ça, Pac. Pour pas la vue du sang. Oh la vache, il ça pète de partout. Il se pointe, à terre, à terre. Dépêche-toi. Allez,
vite. Ça va aller, Doug. Ça va aller, on va vous tirer de là. Allez. Allez, hein. J'ai le droit. Ah putain, je dis, j'ai le droit de monter ou pas? En route, Wrecker, prends le volant. Fortress, ici Tombstone. Notre plan d'extraction est foutu. Faut qu'on trouve autre chose. Vous me recevez? Tombstone, Fortress vous suit. Extraction secondaire en route. Suivez la route 3 km vers l'ouest. Ouais, fais chier, allez, roule. Sauf que bizarrement, je sens pas trop le coup de l'hélico là. Où est l'hélico? Je sais pas, je regarde. Merde, ma jambe. Ma femme m'a tué. Dame, respirez lentement. Ça va aller. Je dois vous ramener. Ça va aller. Les renseignements qu'on a eu sur l'amiral Chang et les Russes sont vrais. Aucun de nous ne rentrera chez nous. Le seul à entendre de la musique, là. Accrochez-vous! Un vrai pilote de rallye. Je vois que dalle en plus, allô! Ça m'étonnerait! Mais là, il va se mettre à la sortie du tunnel en stationnaire, il va tous nous dégommer. C'est ce que j'aurais fait. Qu'est-ce qu'il est passé, vous le voyez? Je sais pas où il est passé! Ouf, ça a été chaud là. C'était trop près. Va plus vite, bordel. Oh, il se lit. Va faire fort. J'ai vu ça. Il faut crier ses enfers. Ça, c'est bon ça. Ou pas. Ok. Maintenant ouais. On comprend pourquoi on est dans l'eau. Récupérer les renseignements. Et en cas de coup d'état militaire chinois, les Russes soutiendraient l'amiral Chang. Ça confirme le rapport de notre contact en Chine. Alors, le sergent Dunn est mort pour une information qu'on avait déjà. Il y a des émeutes dans les rues de Shanghai, capitaine, et les Russes sont impliqués. Il fallait qu'on en soit sûr. Boucler Suez était suffisamment délicat comme ça. Au moindre faux pas, c'est la guerre. Vous avez vos ordres, capitaine. Oui, monsieur. Faire route vers la côte est de la Chine. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fini la première mission. Ah, j'ai débloqué là-haut, j'ai vu qu'il y avait marqué un petit truc. Écoutez, voilà, une première mission, voilà, d'une bonne demi-heure. Pour un milliard d'habitants. On va laisser la cinématique là, et on se retrouve juste après. Qui c'était? Il convoitait la présidence progressiste. Il poussait le gouvernement à la transparence, à la justice et à la liberté. Chang les a convaincus que nous étions responsables de la mort de Monsieur Xi. Si vous échouez dans cette mission, il aura l'excuse parfaite pour concentrer toute cette colère, toute cette haine sur nous tous. Ce sera la guerre. Votre tâche, c'est d'extraire des VIP sains et saufs des tours de Ziyu. L'extraction sera coordonnée par un agent de terrain, Laszlo Wkovic. N'utilisez vos armes qu'en cas d'absolu nécessité. Ok. Wrecker, Dunn estimait que c'était à vous de diriger l'équipe au cas où il lui arriverait quelque chose. Sa perte est une véritable tragédie. Pas trop d'accord, mes potes, là. Me faites pas regretter d'honorer sa dernière volonté. Faites ce qu'il faut. Tâchez d'être discret. On n'a pas le droit à l'erreur, les gars. Ouais, bah écoutez, voilà qui va conclure ce premier épisode de mon Let's Play. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Du calme, petit frère. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode du Let's Play sur Battlefield 4. Allez, portez-vous bien et à bientôt. Ciao tout le monde.